L'explication que j'ai, je vois en Adigra un gros potentiel. Je ne dis pas que Béni Traoré n'a pas le potentiel. Hein, il arrive, il joue sur le côté, il joue dans un club un peu moins huppé. Peut-être il sera titulaire. Peut-être il sera titulaire. Mais si Adingra était resté en Belgique, il serait titulaire, il aurait peut-être marqué 5 ou 6 buts et on ne discuterait pas. Oui. Vous avez vu les matchs amicaux du Stade de Reims? Il a marqué 6 buts en 5 matchs. Nous sommes allés voir. Nous sommes allés voir parce qu'on connaît bien les dirigeants. Et ils ont dit, ils ont investi 5 millions d'euros au club autrichien. Ça veut dire qu'ils croient en ce petit, comme nous on y croyait, puisqu'on l'a pris une fois, mais il s'est blessé. On a la chance d'avoir des jeunes joueurs qui sont en train de franchir des étapes plus vite que prévu. Et comme on a certains joueurs qui sont ou blessés ou qui n'ont pas de club, je dis on va voir les jeunes, ce qui est logique. Ça agrandit le réservoir. On aura pour le moment 40-45 joueurs possibles. Et si au dernier moment il y a un blessé ou on ne sera pas surpris. Mais c'est ces petits qui sont, à mon avis, l'avenir.